Et bonjour à tous, et je fais une petite vidéo vlog de mi-saison. Alors mi-saison, oui, on est 8e journée, donc c'est dépassé. Une petite vidéo pour dire que je suis dans la merde, puisque je suis 7e à 4 points du premier barragiste. Voilà, alors dans la précédente vidéo vlog, je disais que malgré la présence d'un bot, je pariais que ma division serait dans les 13e, voire même 12e. Finalement, on est classé 10e Div 3 malgré un bot. Donc, c'est pour vous dire quand même le niveau. Il y a de belles équipes. C'est pas facile. Bon, après, moi-même, je contribue à la note hein, de cette division. Mais bon, malgré ma bonne équipe, je suis 7e. Bon, après, on va pas se mentir. Je fais pas la meilleure saison de ma vie en termes de management, de termes de mes compositions. Je suis pas très, très créatif, mais je suis pas aidé par la forme de mes joueurs. J'ai toujours un joueur qui est en faible forme ou en médiocre forme. Donc, ça m'handicape hautement dans ma créativité, on va dire. Et puis, je suis dans l'optique que normalement, je devais me maintenir sans trop de soucis. Donc, je n'avais pas trop besoin de m'investir. Et puis, que vogue la galère, que ce soit 5e, 4e, 7e, enfin 6e, je m'en fiche un peu. L'important, c'est de former en construction mes joueurs. Mais à ce petit jeu, pas très créatif, plus pas de chance, eh ben, me voilà 7e avec seulement 6 points. Donc, ça va être très compliqué quand même de se maintenir. Heureusement, prochaine journée, je joue le bot. Donc, si Strasbourg accepte de ne pas gagner et même de perdre, donc contre les paysans, je reviendrai à un point de la 6e place, ça serait pas mal. Alors après, quand je dis que j'ai pas eu de réussite, je suis pas là pour pleurer, mais là, vous voyez ce match où j'ai la possession, j'ai 5 occasions sur les ailes, 5 occasions à 39%, il n'y en a aucune qui rentre. Je fais 0-0. C'est assez pénible. Et dans le même temps, la semaine suivante, je vais chez le leader, je fais un 5-5-0 pressing, et lui, il a 2 occasions à droite à 18% et il les met. Donc là, ça fait 1 point de perdu, et là, ça fait 2 points de perdu, donc ça fait 3 points de perdu. Et j'ai d'autres exemples comme ça. Bon, voilà. Après, j'ai ma part de responsabilité. Sur ce match, j'ai la possession. J'ai joué en 3-5-2. Je vous encourage toujours à pas pleurer, à réfléchir à ce que vous auriez pu faire de mieux. J'aurais pu jouer en 2-5-3, mettre un autre attaquant. Ici, je serais monté à 22%. Ici, sur les ailes, je serais monté à 50%. Après, je ne l'ai pas fait parce que je savais que mon adversaire jouait en contre-attaque. Je voulais quand même pas trop me déplumer derrière. J'ai même pas prévu l'ordre que si je ne gagne pas à la 60e minute, passer en 2-5-3 pour tenter d'arracher la victoire. C'est un peu dommage, donc j'ai ma responsabilité, j'ai pas de chance en termes de forme, j'ai pas de chance sur les résultats, mais j'ai ma part de responsabilité. Hat-trick, on ne résulte que de nos propres décisions. Donc c'est comme ça. On peut le voir aussi en plus long terme, c'est-à-dire qu'actuellement, on se regarde mes finances. J'ai encore 6 millions à sortir des réserves, donc ça me prend encore 12 semaines, et donc j'ai encore un directeur financier pendant 12 semaines, ce qui veut dire que je n'ai pas de préparateur physique. Donc ça, c'est un choix personnel qui remonte il y a X saisons, quand j'ai pas su cacher mon argent dans des joueurs, mais que je l'ai laissé être dans les réserves, et je suis condamné à avoir un directeur financier au lieu d'avoir un préparateur physique. Donc ça sert à rien de pleurnicher, c'est ma décision. Il me reste encore 12 semaines. Et après, je pourrais reprendre un préparateur physique et enfin, je pourrais utiliser mes joueurs. Des joueurs qui, en plus, ont bien progressé. On va pas se mentir, j'ai quand même pas une équipe pourrie. Je veux dire que par là, que mes deux ailiers, j'essaie de cadrer, c'est pas facile, j'essaie de cadrer sur ce que j'enregistre. Mes deux ailiers sont enfin mythiques. Mythique construction, quand même. Ailier, mythique construction, quand même, plutôt une bonne base, quand même, hein, on va pas se mentir. Mais le terrain ici, lui, il est mythique plus, plus, plus. Il devrait passer magique dans 3-4 semaines. Franco est passé mythique, il est mythique plus 4. Lui, milieu de terrain défensif, est également mythique. C'est-à-dire que j'aligne trois milieux mythiques avec deux ailiers mythiques construction. Mais il y en a toujours un qui n'est pas en forme. Voilà, lui, il est en faible forme. Donc ça plombe un peu la note. Mon ailier également ici, faible forme, ça plombe également la note. C'est pour ça que malgré que j'ai que du mythique, hier, j'ai fait que du surnaturel à la maison. C'est pas tip-top comme note. Mais ça mérite quand même pas de me placer 7e de la division. Alors, c'est d'autant plus embêtant, c'est que je ne me suis pas tellement passionné pour cette saison, parce que je me disais, sur un malentendu, je peux peut-être me mêler à la course au titre. Le malentendu, il n'a pas eu lieu, hein. J'ai tout de suite eu pas de bol, pas de réussite, donc bon, je me suis laissé un petit peu aller dans la division, sachant que je n'ai pas été hyper créatif tactiquement, parce que je me dis que le maintien, normalement, je dois l'acquérir, je dois choper le barrage. Et là, le barrage, en mode à domicile, je pourrais sortir peut-être du mythique au milieu de terrain. Il faudra que la Div 4 soit costaud pour venir me chercher. Donc ça ne m'inquiète pas trop dans le principe. Et surtout, je suis en perspective de préparer à la saison prochaine avec l'objectif de me mêler au titre pour monter en Div 2. Et c'est surtout que je vais devoir claquer les 25 millions que j'ai. Alors pour moi, le but, ça sera que lui se transforme en milieu de terrain MVA.
Et donc, il me faut donc acheter un ailier. Alors, je suis sur ce genre de profil d'ailier, ailier mythique, construction titanesque. Parce que, bon, titanesque, extraterrestre, mythique, c'est un pourcentage. Je vais perdre quoi? Un demi-niveau. Bon, je préférerais choper extraterrestre, on est d'accord. Mais bon, si c'est titanesque, c'est pas grave. Un petit ailier mythique avec de la passe. Voilà, on est 30 ans. Bon, lui, il est en vente à 9 millions, c'est un peu embêtant. Alors, par contre, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo vlog, parce que je suis pas là que pour parler de moi, je suis quand même donner un petit biscuit pédagogique à ceux qui se donnent la peine de regarder mes vidéos, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. C'est emmerdant, le marché des vieux, parce qu'il y a pas mal d'équipes, on va regarder lui où est-ce qu'il habite, dans quelle division, il est en div 4, voilà, c'est typique. C'est-à-dire qu'il est en div 4, il n'est pas peut-être pas encore dans la configuration où il a besoin de mettre 25% d'endurance, peut-être qu'il est encore dans la configuration où il forme, et donc il a 10-15% d'endurance pour ses joueurs. Résultat, ce joueur, il a pas ça l'endurance. Et passer à l'endurance, pour moi qui suis en div 3 et qui vise la div 2, c'est pas possible. Et là, on a un petit problème, c'est que comme il a 30 ans, j'ai utilisé le petit truc qu'ils ont mis, c'est super ça, directement vers le simulateur d'entraînement. Et si on prend ce joueur avec passable endurance, que je lui fais 16 semaines de construction, il va passer honorable endurance. Très bien. Par contre, il ne passera jamais, même au bout de 35 semaines, il ne passera jamais excellent. Endurance. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc, je suis obligé de partir d'une base honorable, parce que regardez bien quand même sur le marché des transferts. Je vais vous montrer un autre aspect, un autre joueur que j'ai repéré, mais que je n'aurai pas, parce qu'il va partir en flèche. Bon, c'est un ailier utopique. Donc, bon, je lui dis, tiens, pourquoi pas, si le salaire, il fait peur, d'être à 75 000 de salaire avec les 20%, s'il fait peur, peut-être que sur un malentendu, là aussi, peut-être que je peux le choper pour 6-7 millions. Bon, je pense pas, mais bon, j'ai quand même essayé. Je voulais juste regardez bien ces deux joueurs, lui, 30 ans 46, 30 ans 26, c'est la même chose. Lui, il est passable endurance, lui, il est excellent endurance. Donc le but, c'est d'acheter quand même de l'excellent endurance quand on est en div 3 et qu'on vise la div 2. Et donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de vieux. Donc, passable endurance, c'est assez pénible. Donc, entre la caractéristique, la spécialité, imprévisible ou joueur de tête, le fait qu'il ne doit pas être caractériel ou impulsif, ça limite mes choix, sans parler du prix non plus. 9 millions, je n'ai que 25 millions à dépenser. 25 millions, c'est pas grand-chose, parce que je vais me projeter sur la saison future, mais je vais essayer de me construire une équipe en termes de tranche d'âge pour tenir 5 saisons, les 5 prochaines saisons. Ne pas avoir de dépenses de renouvellement de joueurs pendant 5 saisons. Donc lui, j'ai deux défenseurs latéraux à changer et un défenseur central. Parce que défenseur latéral, il est plus que titanesque, légendaire allié. 35 ans, donc Titanes défense, il me faut du mythique, donc il va partir. Je n'ai pas de deuxième défenseur latéral, donc quoi qu'il arrive, il m'en faut deux. Il me faut un autre défenseur central, j'ai lui qui est titulaire, 32 ans, il va rester. J'ai lui qui a 36 ans, il est encore pas mal, extraterrestre, légendaire, mais il peut pas continuer, il sera là en cinquième défenseur. Donc il me faut un autre défenseur central. Et puis j'ai ces deux-là, là, qui sont vieux de chez vieux, 38 ans, 38 ans. Voilà, ils ne servent plus à rien, avec inadéquate endurance, c'est pas possible. Et voilà ce que je dis lui aussi, il est passable endurance, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'ai trois défenseurs à acheter, plus un ailier. Donc 25 millions, c'est pas grand-chose, parce que si on achète du 30 ans, 31 ans, on est très vite à 6-7 millions le joueur, en fait. Donc 3 défenseurs, 3 fois 6, 18 millions. J'ai 25. Ah ouais, grosso modo, ça bloque, franchement. Donc, ça va être tendu. Donc, je vais essayer de jouer sur les âges, acheter peut-être un joueur de 33 ans, les autres 30, 31 ans, et puis ben, l'ailier, je vais voir ce que je trouve. Donc, voilà. Donc, je me projette sur la saison future. Donc, je ne suis pas à fond dans la saison actuelle, parce que je pensais que le maintien allait être facile, mais finalement, il est compliqué. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, c'était histoire de faire un petit point sur ma saison. Et puis, ben, voilà, vous donner cette petite problématique du passable endurance, quelque chose que je n'avais pas percuté, c'est en cherchant sur le marché des transferts, je me dis, oulala, mais je vais me faire avoir si j'achète ce joueur. Je vérifie comme ça sur le truc d'entraînement, et en effet, je me fais avoir, c'est pas possible sur le long terme. Donc voilà, si vous êtes à peu près dans mon cas, vous rapprochez des sommets, passable endurance en recrutement d'un joueur de 30 ans à éviter. Donc j'ai envie de dire, gloire au moteur de jeu, qui me soit un petit peu plus sympathique à mon égard, parce que je n'ai pas envie d'être relégué en div 4, vraiment pas possible d'être relégué en div 4. Donc je vais me battre. Sachant que j'ai pas été un bon manager, j'ai pas été créatif, mais j'ai toujours été embêté par la forme de mes joueurs. J'ai toujours
un ou deux joueurs qui sont médiocres ou faible forme. Et ça, c'est à cause du directeur financier, c'est à cause de mes choix passés. Et voilà, faut, je le paye. Bon, voilà. Quand on fait des erreurs dans le passé, on les traîne jusqu'au bout. Et le bout, problème, c'est que quand le bout se rapproche des sommets, eh ben, les erreurs empêchent d'atteindre le sommet du sommet. Et ça, c'est embêtant. Donc voilà. Allez, bonne fin de saison à tous. Gloire au moteur de jeu quand même. Et à bientôt pour une prochaine vidéo que je vais essayer de vous sortir, une vidéo pédagogique, pas sur mes blogs. On parlera certainement des routines, comment monter ces routines, comment c'est que ça fonctionne, la routine, et comment avoir 5 ou 6 routines à excellent et que ça fonctionne très bien. Voilà, je trouve le temps de vous faire cela. Allez, merci de m'avoir suivi, à bientôt, et bonne chance à tous, à très vite, ciao.